déjà le mauvais côté, c'est la défaite. C'est le mauvais côté. Après, on a su revenir au score à chaque fois dans la partie, notamment grâce à des pénalités qu'on a su bien négocier au pied derrière. Et voilà, c'est dommage. Dans les 10 dernières minutes, on se prend un essai, un contre de 100 mètres. Et du coup, c'est fatal. Après, on a la lucidité de revenir. On arrive à avoir le bonus défensif. Du coup, ça, c'est un point positif. Mais voilà, le gros point noir, ça reste la défaite de la soirée. Je sais pas. Il faut qu'on regarde la vidéo. À chaud, c'est un peu compliqué de le dire, mais après, peut-être un manque de lucidité. En défense, peut-être une désorganisation sur les contres. Et c'est peut-être ça qui nous a causé la défaite ce soir. Non, je pense que c'est 50-50. C'est 50-50. Castres mérite de gagner, comme on aurait pu mériter de gagner à notre tour. Du coup, je pense que c'est 50-50. Ils nous ont pas dominé toute la partie. En conquête, c'était variable. Au début, en mêlée, la première mêlée elle a été compliquée pour nous. Après, on a réussi à prendre l'ascendant. En touche, c'était bien dans l'ensemble. Ils ont réussi à rencontrer. Sur les maules portées, ils nous ont bien bougé au début. Après, on a su les emporter. Non, c'était vraiment kiff-kiff. Je pense que c'était vraiment 50-50. Et voilà, il n'y a pas vraiment une équipe qui était au-dessus de l'autre ce soir. Ça s'est joué sur des détails et voilà, les détails nous coûtent le match ce soir. Non, paniquez pas, on mettait notre jeu en place, on bossait dans le lancement, on fait ce qu'on a répété à l'entraînement, on a fait ce qu'on répétait en match jusqu'à maintenant, on n'a pas paniqué. Et comme je le dis, c'est sur des détails qu'on perd le match, sur un contre un peu hasardeux, que l'ordi se négocie bien avec un coup de pied par-dessus. Voilà. Ils avaient un très bon contre, on savait que ça allait être compliqué. Ils avaient Richie Gray qui fait plus de 2 mètres, qui est un super lecteur défensif. On savait que ça allait être compliqué et malheureusement on a sauté un peu sur sa zone. Après je pense dans l'ensemble, au niveau de la touche, en conquête, on a fait une belle perf. Mais voilà, ça se joue à des détails, comme je te dis. Peut-être si on avait été propre sur un ou deux lancers de plus, on aurait pu prendre plus l'ascendant. Voilà.